formule d'un médicament. Un médicament est une substance possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. La formulation d'un médicament correspond à l'ensemble des substances qui entrent dans sa composition. Dans la formulation, on distingue deux sortes de composés, le principe actif et les excipients. Comment lire l'étiquette d'un médicament? Prenons l'étiquette de l'aspirine Medco. On peut y lire les indications thérapeutiques, ici les maux de tête, douleurs musculaires et rhumatismales, maux de dents et d'oreilles, la posologie orale, combien de comprimés ou de gélules prendre par jour, des mises en garde et les ingrédients. Dans les ingrédients, on y trouve 500 mg d'acide acétylsalicylique. Ceci est le principe actif de ce médicament. On y trouve aussi l'excipient. Ici, il n'y a pas d'indication particulière sur la nature de cet excipient. La substance active, appelée aussi principe actif du médicament, désigne chacun des composants de ce médicament qui possède un effet thérapeutique. Cette substance est souvent en très faible proportion dans le médicament par rapport aux excipients. Cela peut être une substance pure, une molécule, un ion, ou un mélange de plusieurs substances chimiquement proches, comme des isomères par exemple. Le paracétamol est le principe actif de l'efferalgan, du doliprane, du dafalgan. Tous ces médicaments contiennent la même molécule de paracétamol. L'acide acétylsalicylique est le principe actif de l'aspirine. On y trouve 7 molécules d'acide acétylsalicylique. Un excipient est une substance, autre que la substance active, destinée à apporter une consistance, un goût, une couleur à un médicament, tout en évitant toute interaction avec le principe actif. Voici quelques exemples d'excipients. L'eau, l'alcool, la glycérine, des cires, des hydrocarbures, des silicones, des sucres comme le glucose, l'amidon, des gommes, ou même des minéraux comme la silice, le talc. Certains excipients sont dotés d'effets notoires qui peuvent être à l'origine de manifestations allergiques ou d'intolérance. Ainsi, il peut exister des différences notables entre le princeps, c'est-à-dire le médicament original, et générique, du fait de l'emploi d'excipients différents. Si on étudie l'étiquette du Primperan et de l'Anosa, on constate que tous les deux contiennent du chlorhydrate de méthoclopramide, mais que la liste d'excipients est différente. Le Primperan et le Princeps, le médicament original, tandis que l'anosin est un médicament générique qui a peut-être des effets indésirables.